Toujours, toujours,
Je suis venu
Jésus, mais
Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. 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 Alléluia. Merci mon roi, alléluia, amen, amen, amen. Thank you Jesus. On va prendre hymne numéro 4. Tel que je suis. Just as I am. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Amen. Amen. On y va. Un, deux, trois. Just as I am with my Lord, mon God above, was shared for me. Oh,
continue. Seigneur, tu as déjà le message de Dieu dans cette hymne, c'est très clair. Je suis pauvre. Je suis dans le chômage, dans la difficulté, dans tout. Les gens pensent qu'ils sont riches. Quand les gens voient les millions, voient tout, ah, ils disent, cet homme est très riche. Mais dans le livre de Apocalypse 3, à partir de verset 18, à partir de verset 16, 17, 18, il a dit, tu penses que tu es riche, il dit, tu es pauvre. Tu vois l'argent, dans ton compte, il y a l'argent. Tu as tout le partout du monde, tu as tout l'avion, partout du monde, tu es tout. Il dit, tu ne sais pas que tu es pauvre. Oh, il dit, tu penses que tu es les habits. Hein, c'est toi-même qui fabrique les habits. C'est toi qui fabrique les habits vraiment. Mais il dit, tu es nu. Alléluia. C'est in the word of God. You think that you are rich. He said, you are poor. You are working very hard. I have to work very hard to become what I said I will be. That is foolishness. Les gens vont dire, ah, je dois travailler très fort pour gagner tout ça que je vais gagner dans le monde là. 24 heures sur 24 heures, il n'y a pas un jour de repos. Je dois travailler, avoir tout. Le Seigneur dit dans l'Apocalypse 3, à partir de 16, 17, 18, 19, il dit, tu es pauvre. Il dit, tu es nu. Parce que quoi? Tu as laissé la première chose que tu dois poursuivre dans ta vie. Et cette première chose, c'est quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu es pauvre. Il nous a dit de dire là. Mais il a dit de répondre que, comme je suis, quand tu m'as crié, tout ça là, tu as oublié que le temps que tu as venu dans le monde là, tu es ni. C'est ça que les gens ont oublié toujours. Tu as venu dans le monde là comment? Sans les habits, sans l'argent, sans le compte. Tu as venu avec un lame. Mais pourquoi tu as déploré le temps que tu as venu dans le monde là? C'est ça que tous les gens, tout le monde oublié. Ils sont oubliés à te poursuivre le monde. Celui qui t'a crié, que celui qui t'a mis dans le monde là, tu ne le connais pas. Tu s'en fous de lui. Il dit, tu es zéro, tu es nu. Ton présent qui est là-bas, avec toute sa popularité, le Seigneur dit,
Toi, président, tu es ni. Tu penses que tu es l'argent. Il dit, tu es pauvre. Il y a que Jésus-Christ dans ta vie qui est ta richesse. Si tu n'as pas Jésus-Christ, toute ta richesse, la Bible dit, va lire dans le 73. Il dit, ça sera comme le vent. Il dit, le vent, il vient, il souffle, tout ça. Nous avons disparu. Le jour de la mort, ça qui t'attend, c'est le mort, le jour-là, c'est quoi? C'est que le tombeau. C'est tout. Tout ta richesse, elle s'agit, ton diplôme, ton master, tout. Tu ne peux pas partir avec ça. Cherchez Dieu maintenant. C'est la meilleure chose. C'est la richesse. Lazare dans la Bible. L'homme riche, en train de lui menacer avec tout son argent. L'homme riche, il est très égoïste avec sa richesse. La Bible dit que Lazare est pauvre. Il vient même ramasser tout la nourriture qui a tombé. Oui. Quand l'homme riche a été de manger, il gonflait. Les autres, c'est ça qu'il donne son chien. C'est ça que Lazare vient ramasser. Mais à la fin de l'aile voyage, à la fin de l'aile voyage sous la terre, on a vu celui qui est riche parmi les dés. Lazare, il est revenu un homme très riche. Parce que quoi? Sous la terre, il a concentré sur son Dieu. Mais toi, quand tu es poursuivre la richesse, à la fin de ta voyage, les gens qui ont été de tromper, les gens te disent qu'après la mort, c'est fini. Qui t'a dit ça? On va voir dans notre message aujourd'hui. Après la mort, tu viens de commencer le voyage. Le voyage qui n'est pas là. Il n'y a pas la fin sous ce voyage. Ça que tu es maintenant, il y a la fin. Bientôt, on va terminer. Il faut écouter la voix qui t'appelle. Cet hymne, ce n'est pas pour chanter, ce n'est pas pour seulement pour chanter. This song is not to just sing to sing. Here, listen to the voice that is calling you. The money you are pursuing, the riches you are pursuing, you are going to leave it one day and fly away like wind. And where are you going? That's our message today. You are going to get where we are going. You will know where you are going. They have deceived you, said that after death, it's all over. It's not over. You just start the journey. May the Lord help us in the name of Jesus Christ. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus Christ. Que nous comprenons ce que le Seigneur nous parle. Viens savoir Dieu, viens dans l'église. C'est pas pour le pasteur. Et c'est pas pour quelqu'un aussi. Quelqu'un qui te parle, qui te dit, viens. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? La personne ne te fait pas mal. Je ne parle pas de faux église. C'est tout ça qui remplit dans le monde là, partout, même dans cette ville. C'est faux église. C'est faux église. Je l'ai dit ça. Celui qui peut me dire que ce n'est pas faux église, viens, on va juger tout avec la Bible. La Bible nous a dit, juge. L'église d'abord que tu vas quitter, il te dit que tu ne dois pas juger. C'est déjà le faux église. Le message qu'il prêche là-bas, il dit qu'il ne juge pas. C'est faux église. Parce que ma Bible m'a dit, juge. Avec quoi? Avec cette Bible. Tout ça que quand il est passé dans le monde, tu dois juger ça avec la Bible là. Si c'est bon ou si c'est pas bon. Que Dieu aide nous Jésus-Christ. On te donne le conseil, viens savoir ton Dieu, viens dans l'église, va aller savoir ton Dieu. Il est même très important plus que ton travail. Il est très important plus que la nourriture que tu manges. Parce que c'est là-bas que tu manges la nourriture spirituelle. Et c'est la nourriture spirituelle qui nous donne la force pour le travail que tu fais. Jésus-Christ, il a répondu à Satan, il dit, non, mais n'est pas créé pour manger tous les jours. Un jour, tu laisses la nature, tu saves ton Dieu.
on nous a pas amené dans le, Dieu nous a pas créé dans le monde là. Si vraiment des fois on a l'habitude de regarder notre picture, notre photo, le jour que on t'a ni, on t'a fait le, si on t'a fait le photo sans ni comme ça, des fois que tu regardes ça, tu vas voir comment tu as venu dans le monde là. Que tu n'es pas une raison pour dire une excuse à le Seigneur. Dans le Jérémie, je pense Jérémie, non, Ézéchiel 16, il dit tu as oublié comment je t'ai pris, tu mets dans le ventre, tu fais sortir dans le ventre, avec tout le cordon, avec tout le sang et tout, il te prend, il te nettoie, il coupe le cordon et tout, tu prépares, tu arranges. Maintenant tu as grandi, la richesse a venu et tu as venu, tu m'as oublié. C'est le Seigneur qui a te parlé ça. Il dit, tu as oublié ça vite dans ta vie. Et tu as oublié aussi qu'un jour tu vas terminer cette voyage que tu es. Il dit, tu as oublié quelqu'un qui t'a mis dans le ventre, qui t'a nettoyé. On t'a couché avec le sang partout. Tu penses que c'est ton maman, tu penses que le frère mec qui t'a nettoyé. Le Seigneur dit, c'est moi qui t'a nettoyé. Maintenant, tu as grandi, tu as trouvé l'argent, la richesse. Tu commences à gonfler. Le Seigneur n'est pas rien devant toi. On parle de Dieu, tu dis, Foulikan. Les gens te disent dans la rue, laisse, c'est pas tout le temps, ça. Tu ne sais pas que c'est un diable qui t'a dit dans cette conseil. Satan ne parle à travers de cette personne. May God help us. Ézéchiel 16, c'est ça, non? Lis Ézéchiel 16, à partir de verset 1 jusqu'à la fin. Ézéchiel 16, How I took you? You have forgotten. Tu regardes les gens partout, regarde-les partout. Look at people. Sit down. If you have photo, if your parents took photo of the day you were born, naked you come, full of blood. That's what he's saying there. I brought you to this world. You are born, blood everywhere. Umbilical cord, your mother hold you. He said, I clean you. I wash you. You think that the nurse is the one that did it? You think that who gave the nurse the idea? It's not God. You think that it's the nurse that cut your umbilical cord? Who gave them the idea that the umbilical cord should be cut or cut? It's not God. He said, I did it all. I clean you, I make you, I grow you. Now you are grown, you have make money. You are now insulting God. You have easily forgetting the way you are born. It's waiting for you, the day of your death. It's waiting for you. Hallelujah. Et dit, tu as oublié facilement, parce que on te donne l'argent, la RSA, tout le social et tout le système de gouvernement. Le gouvernement, il nous donne. Maintenant, tu as oublié celui qui t'a pris, qui t'a mis dans le ventre, qui t'a fait sortir, qui t'a nettoyé, qui a coupé ton cordon, qui t'a lavé, qui t'a donné les habits, qui t'a habillé. Il fait tout. Il n'y a pas de problème. Oublier cette personnalité. Mais rappelle que il y a la mort devant toi qui t'attend. Chaque jour qui passe, tu ne sais pas que tu allais approcher ton tombeau. Chaque jour qui passe, et tu as dû approcher. Tu peux être un an aujourd'hui. Après quelques jours, tu es un an plus, un an 6 mois, un an 8 mois, bientôt 2 ans, bientôt 5 ans, bientôt 6 ans, bientôt. Tu ne sais pas le jour que tu vas partir même. Tu ne sais pas. Ta vie n'est pas garantie. Toutes les choses que tu portes, les habits que tu achètes, tout, il y a la garantie dedans. Est-ce qu'il y a garantie dans ta vie? Ton médecin t'a donné les garanties. Ton prêtre t'a donné les garanties. Est-ce que lui-même, il a garantie de sa vie?
Et celui qui peut te donner la garantie et l'assurance, tu lui dis, fous-le calme. Il t'attend. Mais que Dieu nous aide pour répondre à son appel. Pour répondre à son appel. Le monde est dans les bêtises. Le monde est dans les bêtises. Il va les frapper bientôt. Et toi qui viens dans cette église aussi, tu attends la vérité. Tu as de s'amuser avec ta vie. Toute la parole que tu attends qui sort dans cette église, ça, il faut prier que ça ne doit pas te juger. C'est ce jeu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Et réfléchir et penser des jours de ta naissance. Comment tu as venu dans le monde là, sans les habits, sans rien. Les habits que tu as amenés dans le monde là, c'est tu as couvert avec le sang. C'est ça qu'il a dit là-bas. Mais il a pris tout, il a nettoyé tout. Il t'a arrangé. Aujourd'hui là, tu as grandi. Tu lui insultes. Tu lui fais n'importe comment. Il faut penser qu'il y a quelque chose qui t'attend. Il y a quelque chose qui s'attend. C'est la mort. Il a déjà préparé ça, mais ça encore. Ça te t'attend. Ça te t'attend. La mort, c'est un transport. Donne le message, on va voir aujourd'hui. C'est un transport. C'est un TGV. TGV. Quand il vient comme ça, il n'y a pas... Pitié, je n'ai pas encore pris mon chaussure. Je vais prendre mon chaussure. Je vais aller dire mon papa. Je vais aller dire mon maman. Non, c'est un TGV. Transporte. Quand il te prend comme ça, et tout ça que tu as fait dans la vie là, c'est ça qui va décider où qu'il va t'amener. Si ça l'a fait, il y jette là-bas. Boum! Il retourne. C'est lui encore. Il y a encore. Il n'y a que les gens qui sont les enfants de Dieu qui m'ont donné la sainteté. Quand il vient, le Seigneur, voici tes enfants. Il les dépose tranquillement. Tranquille. Mais toi qui as tourné ton dos sur le Seigneur, quand il te prend, il te prend très très rapide. Parce que ton ticket, c'est un ticket qui n'est pas le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas le miséricorde d'or. Il te prend. Là-bas, il jette là-bas, il revient encore. Attends, une autre personne dans ta famille qui sont refusés d'accepter cette monsieur. Il va venir encore, attendez, les chercher. Ils sont où? Qui est-ce? Quand tu te joues, te donne pitié au nom de Jésus-Christ. La voix qui t'appelle maintenant fait toute la possibilité pour réconcilier avec cette voix. Les amis du monde, ils sont sataniques. Moi, qui tu me vois là, je n'ai pas un ami. L'ami que j'ai, c'est avant que j'ai l'ami, mais depuis que j'ai compris que les amis que tu es même, si on, les amis là, tu vas trouver la jalousie. Critique, murmure. Ça qui va seulement t'aider, c'est pour gâter ta vie. C'est pour te faire de rentrer dans le péché. Fornication, immoralité, chercher le copain, faire tout, boire, discothèque, faire tout. Ça, c'est les amis. Ça, c'est pas les amis. Fête, tout le temps, fête. On ne peut pas fêter, je dis, il y a la fête de Noé, il y a la fête de ça, il y a la fête de Valentin, il y a la fête de tout, il y a la fête, c'était tout. On va te conduire dans la mauvaise vie. La vie de l'alcool, la vie des cigarettes, la vie de masturbation, la vie de pornographie, la vie de nudité, la vie, ça c'est les amis. Ça c'est Satan qui sont autour de toi, que tu appelles tes amis, ils sont Satan autour de toi. On va te conduire dans le mauvais business pour avoir l'argent. On était dans tout. Mais quand on a vu ça, on a fui. On lui a dit au revoir. J'ai trouvé
de chanson dit quel ami fidèle c'est Jésus-Christ, c'est lui l'ami fidèle. Je l'ai trouvé, je l'ai attrapé. Les autres amis, bye bye. Si on m'appelle, hein, tu m'appelles pour faire quoi? Il y a quoi? Si c'est elle, dès que je peux faire, dans le Seigneur, je peux faire. Mais si c'est pour aller dans cette coin encore, dans cette coin, au revoir. Répentez-vous, sinon, vous va terminer à l'enfer. Je l'ai trouvé un ami fidèle. Très, très responsable. Celui qui me conduit maintenant. Ah, tu as changé maintenant. Oui, on doit changer. Il nous a dit, on doit changer. Si on voulait l'issue. Ça, c'est l'ami que tu dois suivre. Il a tout. Tout ça que tu cherches dans ta vie, il a ça. Et à la fin aussi, il va te conduire à son royaume. Mais les autres amis là, toute l'ambiance que tu penses que tu es en train de faire avec eux, il va à la fin de cette relation, c'est à la fin, tu vas regretter le jour de ta naissance. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. May God deliver us. May God help us in the name of Jesus Christ. Que Dieu prenne contrôle de notre vie. Réveillez-nous, réveillez l'église de Dieu. Fais, save Dieu dans l'esprit, dans la vérité. Tous les faux églises là ne veulent pas te dire ça. Vous va là-bas, c'est ambiance. Vous va là-bas, c'est chercher l'argent, la richesse, la connaissance, et les copains, la fornication, l'immoralité, la séduction, et tout ça que tu veux, c'est là-bas. Et spécial maintenant, ils sont en train de, qu'est-ce qu'ils prêchent maintenant? Ordre mondial. Une religion du monde. Dieu, c'est de l'amour. Dieu, c'est de l'amour. La grâce nous couvre. Fuis cette église. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Nazareth, c'est l'église de Jésus, c'est, il dit, refroute tout péché. Il dit, mon Seigneur, que ta bouche soit comme une trompette. Dis-les le péché, un par un. Et dis-les où que le péché, il termine, à l'enfer, direct. Il n'y a pas la miséricorde de Dieu sur le péché. Il n'y a pas l'amour de Dieu sur le péché. Tout son amour, c'est maintenant que tu vives. Qu'il t'appelle tous les jours. Répente, répente, répente. Et quand tu refuses, il va tourner son dos sur ta vie. Et tu vas t'amener où que tu n'as jamais pensé que. Quand tu vas arriver là-bas, il n'y a pas un retour dedans. Que donne pitié au nom de Jésus-Christ. Que donne pitié. Que Dieu nous aide. Le Seigneur, mon âme bénit 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 le Seigneur, alléluia, mon âme bénit le Seigneur. Mon amour 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 bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, alléluia, mon
bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Comme toi, je veux marcher comme toi, comme toi, comme toi, je veux crier. Peace. Peace. Peace.
Dans
gloire à ton nom. Alléluia. Yeah.
Send a fire again, the
Ah,
Change pas, il est tout fort dans toutes choses. Dieu de tout, Dieu qui fait tout le combat. Alléluia. Il n'y a rien qui lui dépasse. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, King of Glory. We worship you, Lord Jehovah. We give you all praises. We give you thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Father. On va prendre. Thank you, Jesus. Le vin. Notre cantique donne. Le vin. Cantique numéro 20. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre.
What a friend we have in Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est l'ami fidèle dans toute situation, dans tout ça qu'on a été passé. Il est fidèle. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser. He's a faithful friend. He's a powerful friend. He's a wonderful friend. But he can never abandon his children. Amen. He can never leave us. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Sincère, cherchez la sainteté, la sainteté.
été. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Encore. Sainteté, bien-aimé, Jésus-Christ, écoutez notre prière. Alléluia. Avec la sainteté, Jésus-Christ, il change les choses. Il réarrange les choses. Il glorifie son nom. Il dit, si mes enfants peuvent être sincères, si on peut être sincère. Il dit, il est prêt pour nous apprendre comment lui suivre tous les jours. Ce n'est pas comme le monde. Il said, my children, if they can walk with me in the sincerity of their heart, I am God, I am ready to show them how to follow me. And if they can walk in holiness, I am ready to hear their prayers. What a friend indeed. What a faithful friend is Jesus Christ. He can never let us down. He cannot disappoint us. Only walk in holiness. Seigneur Jésus-Christ n'est pas nous abandonner, il n'est pas nous laisser. N'importe quelle situation que tu as été prendre, que tu as été passer. Il dit, qu'est-ce que c'est cette situation que tu as été passer? Il dit, what type of situation you are going through. Don't lose the day. He said, don't lose the day. Have we trials and temptation? Don't lose the day. Est-ce que nous sommes dans les temptations et dans les situations? Is there trouble anywhere? Est-ce qu'il y a le problème? Est-ce qu'il y a le problème n'importe où? Sous notre situation, sous notre engrossesse, papa. Oui, on a été passé dans le problème, papa. He said, we should never be discouraged. Il dit quoi? Faut pas être découragé. Ne laissez pas l'esprit de découragement. Le médecin peut dire pour eux, les parents, la famille et n'importe qui, il va dire tout ça qu'il voulait dire. Mais il dit, restez-toi fidèle. Parce qu'on a aussi un ami fidèle. Soyez aussi fidèle avec lui. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Vraiment, nous sommes dans le monde et habités aussi au milieu des gens qui nous découragent tous les jours. Qui nous parlent les choses qui ne glorifient pas Dieu, qui combat contre notre Dieu, qui confronte notre Dieu,
qui sont, comme Job il a dit, qui sont insensés, c'est ça non? Insensés. Yeah, like they speak like foolish people, as Job said. Hallelujah. Amen. So we are always in their midst. They speak against us and against our God. Especially when you are going through situation. But here he's telling us, let that situation be known unto the Lord. Especially quand on est en train de passer dans la situation, il va commencer de dire n'importe quoi et de nous dire comme la femme de Job. Parle contre ton Dieu. Laisse cette Dieu. Nier ton Dieu. Alléluia. Mais là, il nous a dit, il says, take it to the Lord in prayer. Il dit, amène cette situation à le Seigneur dans la prière. Ah, Dieu qui est juste la prière ne veut pas nous laisser. Il ne veut pas nous abandonner. Ça peut être dur. Ça peut être que la route est bloquée. Mais la Bible dit, il est Dieu qui fait le chemin où il n'y a pas le chemin. Même si ce chemin s'est bloqué, le Seigneur va te surprendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Even though that road is blocked, he said, put your confidence in him. He makes way where there's no way. That's the God we are serving. He goes on, he said, can we find a friend so faithful? Est-ce que vous pouvez trouver un ami qui est très fidèle comme lui? Who will all our sorrow share? Que nous, on peut partager toutes nos difficultés. Alléluia. Qui ne peut pas prendre ça, aller en avance partout. Il y a que Jésus-Christ de Nazareth. That friend that will share all our sorrow, that will not go and be begin to announce it everywhere, is Jesus Christ. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Il dit, Jésus Christ connaît tout notre faiblesse. Il dit, amen tout. Présentez tout à lui. Même ta faiblesse spirituelle. Even your weakness spiritually. Take it to the Lord in prayer. Ta faiblesse spirituelle. Mais tout. Présentez-vous à le Seigneur. Seigneur, je m'en trop. Délivre-moi dans cette mensonge. C'est une faiblesse dans ta vie. Présentez ça le Seigneur. Alléluia. Et soyez sérieux avec lui. Il dit, il va nous délivrer dans tout. Be serious with him, said he will deliver us in it all. Le verset 3, le 3 dit, are we weak and heavy laden? Est-ce que tu es fatigué et tu es chargé avec beaucoup de problèmes? Combat with a load of cares. Very hard and tough load. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do the friends despise you? Il dit, amène tout dans la prière. Et même si tes amis, ça veut dire que même tes familles, tes familles ont t'a rejeté, abandonné. Even that your friends, even your brothers or your family abandon you, take it to the Lord in prayer. They forsake you, on t'a abandonné. Même le mari et tout, on t'a abandonné. Parce que tu as accepté Jésus, parce que ta situation, parce que toute cette condition tu as dépassé. Take it to the Lord in prayer. In his arm, he will take and shed you. That way, find a solace there. Il est dans sa main. Il va te garder. Il va te protéger. Tu vas trouver le repos en lui. Alléluia. Il ne peut pas t'abandonner. Nous sommes là ce soir pour glorifier notre Dieu. N'importe quoi que ça soit, n'importe quoi que cette situation il est.
porter ça et présenter ça à lui. Alléluia. Thank you, Jesus. Le Seigneur ne peut pas disgracer lui-même. Oh, c'est ça que le Seigneur ne peut pas faire. Our God cannot disgrace himself. He has never done it before and it can never happen in your own situation, in my own situation. Le Seigneur n'est jamais disgracé lui-même. Il n'est jamais arrivé sous n'importe qui et il ne peut pas aussi arriver sous ta vie. Sous cette situation, n'importe quoi que ce soit, il ne peut pas arriver. Jesus Christ of Nazareth. Oh Seigneur, et ton nom soit glorifié. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Papa, viens prendre contrôle. Accepte notre louange, adoration. Papa, glorifie ton nom. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'ami fidèle. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu fidèle. Papa, viens glorifier ton nom. Chacun de nous, nous sommes devant toi. Le monde, tu dis, le monde là nous sera troublé. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui n'est pas le problème. Et spécial, les gens qui te suivent. Et spécial, les gens qui t'appellent tous les jours. Satan, il s'élève contre nous. Parce qu'il voulait nous faire de retourner dans le monde. Il voulait nous faire recommencer de faire comme le monde. Il voulait nous faire recommencer de vivre dans le péché. Il nous attaque à gauche, à droite. Pour nous faire recommencer de dire n'importe quoi contre notre Dieu. Pour faire que le monde aussi, il commence à insulter notre Dieu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, Jésus, ami fidèle, si vous aussi pouvez être fidèle avec moi. Je vous ai déjà dit que dans le monde, vous serez troublé. Le monde ne peut pas vous aimer parce que moi aussi, on ne m'a pas aimé. Le monde ne peut pas nous aimer parce que le monde n'aimait pas la vérité. Et tout ce qui voulait garder et vivre dans la vérité, il sera troublé. Il sera persécuté. Apôtre Paul, il nous a fait aussi comprendre. Et de tout ce qui va marcher dans la justice de Dieu, dans ce monde, sera persécuté. Alléluia. Oh Seigneur, pitié de nous. Seigneur, viens dans cette vie. Que n'importe quel problème qui nous a su depuis la maison, rentrer dans cet lieu de la prière aujourd'hui, ne doit pas retourner à la maison avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toute situation compliquée. Toute situation, papa, c'est toi qui guéris. Maladie que le médecin, ils ont déjà dit que c'est la fin. C'est cette maladie qui va tuer la personne. Papa, tu rentres dedans, tu élimines cette maladie et guéris la personne. Amen. Papa, il n'y a rien d'impossible avec toi. Seigneur, il n'y a rien avec toi. Il n'y a rien d'impossible. Tu es Dieu, tu es puissance, tu es très puissance. Tu mets le bébé dans le ventre et le bébé, la femme, il a parti dans l'église, il a venu dans l'église, il ne sait pas ce qui a passé. Ça vient d'arriver la semaine là aussi. C'est la semaine là, le mercredi là. Il est arrivé, la prière a été dépassée. Il ne sait pas que l'église, ils sont dans le 7 jours de jeûne et prière. Il n'y a pas le culte. C'est seulement celui qui voulait rentrer dans cette jeûne de prière, rentrer, le Seigneur l'a déclaré, c'est une jeûne de prière pour une tacite pour Nigeria. Alléluia. Ils sont dans l'église et la femme là, elle est enceinte. Quand elle est arrivée mercredi, elle ne sait pas, elle n'est pas attendue qu'il n'y a pas le culte, mais il n'y a que jeûne de prière. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit, bon, je vais aussi les rejoindre, je vais prier quand même. Je pensais qu'il y a le culte, mais quand il n'y a pas, je vais prier. C'est là-bas qu'elle a dit de prière. L'ange de Dieu, on l'a visité que tu vas coucher là. Il a essayé de bloquer que je ne vais pas coucher dans l'église, mais c'est là-bas que la femme a tombé, la femme a sorti. Alléluia. Amen. Sans stress. Je priais que toutes écrites, toutes négatives sont déjà écrites sous
notre en grossesse, l'enceinte et tout, et tout, et tout, et tout. Oh, Dieu va les choquer. Amen. Dieu va les choquer. Amen. Papa, c'est toi qui es en train de faire ça. Nous sommes devant toi. On ne vient pas là pour venir dans cette discothèque. On ne vient pas là pour venir servir Satan. On n'est pas là pour n'importe quoi, sauf à cause de toi. Elohim, Jehovah, King of Glory, we did not come here to come and worship other God, except God of Israel. Our God, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord Jesus, I cry unto you day and night for every situation that any one of us is going through in this ministry. Let there be solution tonight in the name of Jesus Christ. Amen. Papa, je pleure, je nie, sous tout problème, n'importe qui a été passé dans cette église. Papa, cette nuit, que ça soit la nuit des solutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, que ça soit la nuit des solutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, que ça soit la nuit des solutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens qui savent le diable, ils sont dans l'hôtel du diable. En train de invoquer Lucifer là-bas. Et Lucifer a dit de les répondre avec tout son faux réponse. Tout faux répondre. Il a été donné là-bas. Ils sont dans la joie en train de célébrer. Papa, nous qui savons Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, papa, pourquoi tu ne peux pas faire plus? Plus que Satan a été de faire pour son peuple. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Je sais que personne ne peut pas te questionner, papa. Mais Jésus devant toi, dans son hôtel, j'ai dit Dieu, Dieu Tout-Puissance, Yahuwah, Yeshua, Amasia. Dieu qui n'a jamais changé, localise tout problème, toute situation, toute chose qui accompagnait n'importe qui pour venir devant toi cette nuit. Papa, que c'est aujourd'hui que ça soit la nuit des solutions de cette situation dans Jésus-Christ. Papa, tout le cœur de prière dans le cœur que nous qui nous avons troublés, comme cet hymne, il a dit, il y a apporté toute cette situation devant le Seigneur, dans la prière. Présentez tout le Seigneur. Notre Dieu, c'est Dieu qui ne change pas. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est jamais changé, il n'est jamais échoué. N'importe quoi que ça soit, n'importe quelle malédiction, ils sont placés sous notre vie. N'importe quelle situation qu'on a été dépassée, n'importe quel bébé qui est dans cette vanne. Oh Dieu, mon père, tu es Dieu qui peut changer toute situation, papa. Il n'y a rien difficile et très dur pour toi pour faire. Papa, change cette situation. Frustrer le plan, le projet de l'ennemi. Pour voir qu'ils ont dit qu'il va utiliser n'importe qui parmi nous pour faire le sacrifice. Pour voir qui a joué, qui a juré, qui a dit on va devenir bouc émissaire dans cette génération, papa. J'ai prié, j'invoque ton nom et j'invoque ton sang. J'appelle cet esprit pour rentrer dans cette affaire. Et que cette affaire devienne témoignage à partir de maintenant. Que cette nuit devient la nuit des solutions de cette situation au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous a fait comprendre qu'il y a le temps de toutes choses. Que cet jour, aujourd'hui, cette nuit, revient le temps de solution de ce problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord Jesus, let it be the night of solution to that problem. Whatever the problem is, whatever the problem is, whatever the situation is, let this night be the night of solution of that problem. Any problem that we are carrying here, let it receive deliverance. Let the power of Elohim, Jehovah, Yahuwah, Himself, Lion of tribe of Judah, our healer, our deliverer. Papa, touch that situation. Let that situation become testimony. Every write up the doctors have written concerning that pregnancy, every pronouncement, every negative pronouncement, every declaration, whatever they have written, Papa,
Jehovah Elohim, let it be canceled. This night, let it be night of solution. Papa, let it be night of solution. Papa, Jehovah El Shaddai, you are the hand that maketh child, that formed child in the womb. C'est toi la main qui formait le bébé dans le ventre. N'importe quoi que ça soit, toute accusation, le diable a été accusé n'importe qui, à cause de ta péché, à cause du péché de notre parent, à cause de toute notre faute, papa, je demande que ton sang lave-nous, purifie-nous, efface toute cette accusation. Jehovah El Shaddai, que leur plan, leur programme, sur cette bébé dans le ventre, sous en grossesse, sous tous ceux qui sont en train de chercher le bébé, que tout cet programme et plan de Satan soit annulé dans cette veillée. Cette veillée revient des solutions, le veillée des solutions au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Papa, prends contrôle. Papa, prends contrôle. Papa, glorifie ton nom. Papa, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans cette réunion, cette nuit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit of God.